Et salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur FS19. Donc aujourd'hui, on va découvrir Allstream Farm. Alors, je vais sélectionner tous mes mods et on va peut-être commencer à jouer dessus. Bon, là. Oh, forcément, faut qu'on commence dans la nuit. S. Pas entrer. On peut mettre 2 heures, on va mettre 7 heures. Ah bah voilà, ça m'a déjà coûté du pognon. Elle est où la porte de sortie? Pourquoi ça m'a mis 3 heures? What? Bon, on va mettre 7 heures, hein. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a mis. Bon, alors. On commence avec un tracteur. Ah mais non, je suis bête, c'était déjà une partie que j'avais commencé. Donc ça c'est de la location. Ça c'est tout de l'achat. Donc comme ça on va faire un peu le tour des véhicules. Hein. L'épandeur qui était déjà là, le petit fen que j'ai acheté, la remorque qui était déjà là aussi. Mince, bah du coup elle est où la part de coupe? Ok. J'ai changé le fend, le l'autre fend par j'ai changé le Fiat pour l'autre fend parce que le Fiat roulait pas assez vite, mais j'ai mis exactement la même puissance. Au moins je suis tranquille. Et au déchet la barre de coupe là-haut. Il est raide ce champ. Alors pour l'instant, j'avais fait l'allocation de la grosse moissonneuse parce que les champs, j'allais pas les finir. Puis de toute façon, je pense que je vais faire, vu qu'en fait le problème c'est que c'est tout un bloc ici, la ferme et les champs, je vais faire semblant que je vais en revendre, donc je vais gagner un petit peu d'argent et comme ça me fera moins de champs et ça fera une moins grosse partie à moissonner parce que là. Crotte. Où c'est que je suis coincé? Ah ouais, la petite barre là-bas, lol. Allez. C'est une blague, quoi. On finit de moissonner le champ, puis après je revends la barre de coupe, parce que la barre de coupe je l'avais achetée et non pas louée. Et après on se servira d'une plus petite moissonneuse. Peut-être. Il y a des champs, ils sont vraiment trop grands, puis c'est pas intéressant en fait de faire 3 heures dans un champ. Donc on verra.
Allez, on va finir champ 4-4-2. Après bottelage, on va aller acheter une petite presse si on a assez d'argent. Bon. What? What? Ouais, et... ah, j'ai dû cliquer sur H et c'est bizarre, la moissonneuse avançait plus. Désolé pour les bruits de fond. Hop là. Et du coup, les petits champs vont être vite fait à faire, mais on regardera dans la boutique qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est équivalent à la moissonneuse de base, parce que là... Hop là, donc maintenant, on va... En deux coups, on finit ça, comme ça on est tranquille. Allez, allez, allez. On a quand même fait 22% de la moissonneuse. Hein. Alors, alors. Désolé, je suis un peu malade. Désolé quand je tousse dans le micro. Un peu de vue intérieur, c'est pas mon fort, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est mon fort, mais pas en moissonneuse. Ouais, là-bas, je sais pas en fait où c'est que. Eh merde! Oh, si on prend pas tout d'un coup. Après avoir fait ça, on vide la moisson. Et moi, c'est la moissonneuse, hein, pensez pas que je l'ai acheté, c'est de la loc. Hein. Parce qu'avec l'argent du début, déjà j'ai déjà dû acheter ça. Waouh! Excusez-moi vraiment pour le fond, c'est très chiant, je suis désolé. C'est quoi, c'est du blé? Où c'est que le blé se vend mieux? Blé, 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 au moulin. Bon, vous avez fait quoi? On va aller y vendre tout de suite. Bon, ce sera fait. Thank you.
Bon, alors voilà, j'ai fini les deux champs. Ça fait un bon paquet de bottes à ramasser quand même. Mais bon. La presse, on va la ranger là-haut. Un petit peu de bottes à ramasser, mais au moins on en aura déjà. Hop là, tac, doucement. Et voilà. Putain. Pas possible cette presse. Quand tu braques, je sais pas si c'est le jeu qui est mal foutu ou quoi. C'est chiant ça. Les roues, elles devraient revenir direct, pas tout doucement là. Ça m'énerve ça d'ailleurs. Allez hop. Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller chercher le plateau. Et puis on va s'arrêter là. Hop. On ramassera la prochaine fois. On va poser les godets là-bas. Wow, c'est un peu compliqué. Je sais pas si. Ouais. Oh si c'est bon, ça passe. Allez, hop, go. Go aller chercher le plateau et les godets et le godet. On va tout couper par le champ. Là, je rebranche mon volant parce que là je conduis comme un sac. Mon petite vidéo FS19 que je tourne le mardi qui donc tombera le mercredi ou jeudi, bah mercredi je pense dans la nuit ou mercredi dans l'après-midi, ça dépend. Bon. Eh ben, qu'est-ce qu'il est stable ce tracteur par rapport à l'autre en fait? En fait, il aurait peut-être fallu que je le prenne l'autre en masse d'équilibrage s'il y avait. Il aurait été plus stable peut-être. Le plateau du grand-père. Un plateau d'occasion quoi. Mais bon, si les balles tiennent dessus. Vous me direz dans les commentaires si au fait le micro est mieux ou pas. Si le son du micro est mieux. Parce que j'ai prévu de le changer mais ça va pas être pour tout de suite. J'ai fait un truc donc j'espère que le micro sera mieux. Bon, on va regarder comment elles se chargent ces bottes. Si elles sont pas trop lourdes d'ailleurs pour le tracteur, s'il faut pas une masse. Parce qu'elles sont imposantes ces bottes. Bon, non, ça va. Ah. Si, il faudra une masse.
Il faudra une masse. Ouais, bah je pense que la masse que j'ai achetée tout à l'heure va pas être de trop, hein. Bah, le plateau a pas l'air si large que ça. Bon, on va amener l'autre fen du coup. Parce que vu qu'il faut la masse pour l'autre. On va atteler le fen au char. Et voilà, quand on fait ça comme des sacs, ce que ça donne. Oh putain. Déjà, je suis pas un professionnel, mais si en plus j'y fous tout à la bad. Faire quoi, maintenant ça va piquer du nez? Pourquoi je peux plus la piquer? C'est quoi ce délire? Ah bah voilà. Voilà que maintenant les bots vont être buggés. Bon, on va finir de charger les 4 bottes qui restent, je crois que c'est ça. Tiens, on va tenter un truc. Pouf! Ah. C'est voué à l'échec. Je vois pas pourquoi elle se plante mal, ces balles là. Ça va me gonfler ça. Censé se planter comme dans du beurre là. Enfin, peut-être pas. Encore un point négatif de ce botteuse.
pas pourquoi ils se plantent mal ces machins. On dirait des bottes de je sais pas quoi, des bottes de béton. En béton. Dernière balle et puis on va s'arrêter là. Je suis concentré de fou pour une botte qui veulent pas, pour des bottes qui veulent pas se piquer. C'est un truc de fou ça par contre. Là! Putain, mais en fait faut y aller pleine bourre dedans. Oh, c'est un truc de fou ça. Faut piquer mais pleine bourre. Pam! Faut y aller direct. Du coup bah forcément voilà, il va rester un grand espace. Putain, fais chier. Sont vraiment pas top ces bottes hein. Va falloir que je change de bottes là, hein. Sûr et certain c'était faux. Bon, voilà pour aujourd'hui, c'est fini. Une vidéo assez sympa sur FS19 qui m'aura pris un peu de temps et qui m'aura aussi un peu dégoûté parce que c'est mode pourri là, mais bon. Alors, on va les ranger ça. Mais bon, c'est pas très grave. Non, on va les laisser là, vous savez quoi. Tout tu laisses à côté. J'y aurai rangé dès la prochaine fois. Hop, on va enlever le gyro. Bon allez, j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus. Ciao.